Ce rouge à lèvres va vraiment trop bien avec mon t-shirt. Regardez. Super beau. Bon, ça fait genre 10 jours que j'attends de recevoir cette box. Je peux enfin faire ma vidéo. C'est pas trop tôt. Coucou à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de la Nuo Box du mois d'avril. Donc, elle se présente comme ceci. Elle est trop mignonne avec tout plein de petits dessins fleuris, ça sent le printemps, ça fait du bien. Aujourd'hui il fait beau, ça fait du bien aussi parce que honnêtement, moi j'en peux plus de ce temps juste horrible. Donc la box est beaucoup plus grande que d'habitude. Et ce mois-ci on a une super sélection, enfin moi je suis ravie. Donc pour commencer, il y avait ce petit carton trop mignon. Donc avec une petite madeleine, il y a écrit printemps gourmand parce qu'il y a une surprise commande dans cette box. Et quand on ouvre la box, hop, on a tout ça à l'intérieur. Alors, je vais vous présenter ce qu'il y a. Pour commencer, on a ce petit duo donc de shampoing et d'après-shampoing de la marque John Master Organic. Alors, c'est pour cheveux normaux les deux. Donc, le shampoing est à la lavande. Ça sent vraiment la lavande, hein. C'est vraiment genre huile essentielle à la lavande. Si vous n'aimez pas la lavande, vraiment n'achetez pas ça. Et l'après-shampoing est au citron et au néroli. Bon, et là ça va, c'est plus doux comme odeur. Bon, moi ça ne me dérange pas, de toute façon j'aime bien. Donc chacun fait 30 ml, donc je trouve que c'est vraiment pas mal pour pouvoir tester. En plus, John Master Organic, c'est quand même pas une marque donnée, c'est quand même bien connu. Et voilà, je suis vraiment ravie de pouvoir essayer cette marque. J'ai bientôt fini mon shampoing, donc ça tombe vraiment à pic. Ensuite, on a les démaquillants visage et yeux de la marque Catier, qui se présente comme ceci. Il fait 50 ml, donc il est bio. Ben, de toute façon, tous les produits qui sont dans la new box sont bio, naturels ou vegan. C'est le principe de la box. Alors, je vais vous dire un peu l'odeur. Honnêtement, ça sent rien de spécial. Ça ne sent rien du tout. Moi, les laits démaquillants, je ne suis pas plus fan que ça. La plupart du temps, j'utilise des huiles démaquillantes ou des baumes démaquillants. Mais bon, la marque Catier est quand même une marque que j'aime bien. Donc écoutez, je le testerai à l'occasion. Peut-être ça me fera changer d'avis sur les laits démaquillants. C'est vrai que ce n'est pas forcément la formulation que je préfère. Ensuite, on a reçu un gel douche de la marque Apple & Beers. Donc qui est au millet et au chanvre, ça fait 50 ml. La petite bouteille est juste trop mignonne. Alors attendez, on va sentir. Très très important les odeurs. Ça sent bon, c'est spécial mais ça sent bon. Voilà, c'est pas une odeur gourmande ou quoi, c'est plus une odeur de plante mais pas quelque chose de fort. Donc voilà, écoutez, je suis ravie de tester cette marque parce qu'en fait j'adore les packagings, je les trouve vraiment trop... trop mignon, donc voilà. Après ça reste un gel douche, c'est rien d'extraordinaire, mais ça me fait plaisir, donc je suis ravie aussi. Ensuite on a reçu un masque de la marque SOS Madara. Donc c'est un masque hydratant et éclat, donc comme ceci. Donc ça c'est vraiment parfait parce que hydratant et éclat, c'est juste ce que je cherche à chaque fois dans les max. J'ai quelques masques qui sont anti-imperfection, mais la plupart du temps c'est éclat que je choisis. Donc ça se présente dans un petit tube comme ça de 12 ml, donc ça va, c'est une contenance assez raisonnable pour tester un masque. Et il faut l'appliquer sur une peau sèche et propre et le laisser poser 15 à 20 minutes. Donc écoutez, je testerai et puis je vous en dirai des nouvelles si jamais c'est une bonne découverte. Enfin, le dernier produit beauté, c'est ceci. J'ai été super étonnée quand je l'ai vu. Donc c'est une crème pour les mains de la marque PHB au Neroli au Yang Yang qui se présente comme ceci. Mais alors attendez, je sais pas vous, mais personnellement, j'ai jamais vu une crème pour les mains dans un packaging comme ça. Genre super évolué, on dirait un sérum ou une crème pour le visage. Et en fait, d'après ce que j'ai vu sur le petit magazine, c'est une crème qui est censée éclaircir les mains, enfin avoir une action sur les taches en fait, si jamais vous en avez. Bon, je n'ai pas de taches sur les mains, heureusement pour moi, vu mon âge. Mais du coup, voilà, je pense que c'est pour ça en fait que ça se présente dans un packaging comme ça. Ça doit être une crème pour les mains assez chère et pas comme un tube normal, on va dire. Et du coup, voilà, bah écoutez, pourquoi pas, on n'a jamais assez de crème pour les mains. Et là, on a une contenance de 50 ml, donc c'est vraiment pas mal. Il y en a
C'est vraiment un gros contenant quand même, donc c'est super. Je suis super contente d'avoir reçu ça aussi. Et enfin, la petite gourmandise, on a reçu donc cette préparation bio pour faire des madeleines à la fleur de sel de l'île de Ré, de la marque Marlette. Alors je sais pas si vous connaissez, moi j'avais déjà vu, je crois que c'était sur Birchbox, ils avaient fait il y a super longtemps une collaboration avec cette marque. Et j'avais goûté, ben c'est super bon tout simplement. Donc vous savez, c'est les préparations comme ça, toutes prêtes. Et là vous avez juste à ajouter quoi, du beurre et 3 œufs. Et voilà, vous mélangez tout, vous faites cuire et vous avez vos petites madeleines. Donc voilà, c'est le grand format, donc je trouve ça super super cool. Là on a quoi? On a la petite fiche explicative et il y a un code de réduction aussi. C'est le code NUO. Vous allez prendre un moins 20% de réduction sur le site jusqu'au 15 juin. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez tester. J'avais déjà essayé, c'était vraiment super bon. Donc écoutez, je suis ravie d'avoir ça. Et puis voilà, les gourmandises, ça fait toujours plaisir. Donc dans la box, vous avez aussi un petit magazine comme ça qui est plutôt pas mal. Il est assez grand, ouais, il fait 60 pages. Donc voilà, vous avez des recettes, des interviews, des produits, enfin tout plein de choses, tout le descriptif des produits de la box. Donc vous avez ça aussi. Et moi j'avais deux autres produits dans ma box parce que ce qu'il faut savoir c'est que là j'ai pris un abonnement pour 3 mois. Vous pouvez soit prendre l'abonnement mensuel qui c'est donc 23 € par mois plus 3 € de frais de port qui se renouvelle tous les mois, ou sinon vous pouvez acheter directement 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Et moi ce que je fais la plupart du temps c'est que j'achète des abonnements de 3 mois. Du coup ça vous coûte un petit peu moins cher. Et ce qu'il faut savoir c'est que chaque mois New fait des offres en fait pour quand vous prenez ces abonnements directement pour 3, 6 ou 12 mois, vous avez souvent des produits qui vous sont offerts. Et donc là en cadeau pour avoir pris les 3 mois d'un coup, j'ai reçu ces deux produits en plus. Alors le premier c'est un crayon pour les yeux de la marque Avril. Donc voilà, un crayon tout simple. En fait ce que je trouve dommage quand on reçoit un crayon pour les yeux, c'est que c'est toujours un crayon noir. Voilà, je sais que ça va plaire à tout le monde, mais personnellement j'en ai plein des crayons noirs et je sais pas quoi en faire, j'en ai pour toute une vie. Donc écoutez, bon, un crayon noir, je vais vous dire, ouais, il est plutôt sec, donc on verra bien. J'ai jamais essayé la marque Avril, donc pourquoi pas, mais un crayon noir ça me fait pas rêver, mais bon, voilà. Et un autre produit que là je suis ravie d'avoir reçu, donc c'est un produit de la marque Evolve, donc il se présente comme ceci. Et cette marque, à chaque fois que je la vois sur le site, mais elle me donne tellement envie. En fait, c'est le packaging, quoi. Clairement, c'est les packagings, ils me font rêver, quoi. J'aime trop, ça fait style un peu apothicaire, comme ça. Vous avez tous les produits qui sont dans des contenants en verre. Donc ça, je trouve ça super. Parce que quand vous avez fini, vous pouvez réutiliser le contenant pour mettre autre chose ou quoi. Et ça, c'est vraiment bien, quoi, dans une optique de, voilà, de faire attention un peu à ces déchets. Et donc là, il s'agit d'une eau micellaire. Donc voilà. Bon. Les eaux micellaires, c'est pas ce que j'utilise le plus. Mais je suis quand même super, super ravie d'avoir reçu ça. Donc il y en a pour 30 ml. Et c'est une huile micellaire avec de l'acide hyaluronique. De. Pour me grade, c'est quoi déjà? Ah! De la grenade et de la rose. Donc voilà, je vais vous dire si ça sent bon. Bah écoutez, pour une eau micellaire, ça sent plutôt bon. Donc voilà. Super format. Je suis ravie de chez Ravie. Donc écoutez, bah, le bilan de cette box, je suis plutôt contente. Alors ce qui me donne le plus envie de tester, clairement, donc c'est le duo de shampoing. Voilà. L'eau micellaire. Le petit masque. Après. Le gel douche et la crème pour les mains, pourquoi pas. Après ça reste des produits basiques, donc je m'attends pas à avoir une énorme surprise, un énorme coup de cœur, mais on sait jamais. Et puis ce qui me dit le moins c'est le lait démaquillant, parce que c'est pas la texture que je préfère, mais après à voir si ça se trouve si je vais me réconcilier avec les laits démaquillants. Et puis après écoutez, il y a les madeleines hein, et les madeleines ça je sais que ça va me plaire, surtout ça va plaire à mon estomac. Donc voilà, je suis super contente. Peut-être que je vous ferai une toute petite vidéo pour la préparation des madeleines. Sans, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Mais bon, ça donne tellement envie. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé certains de ces produits, s'ils vous ont plu ou au contraire, s'ils vous ont pas du tout plu. N'hésitez pas à donner votre avis et je serai ravie de le lire. Et puis de toute façon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!